Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview depuis Issoudun 2019. Je suis avec Grégory François. Grégory, comment est-ce que ça va ce matin? Il est un peu tôt là, mais est-ce que ça va? Oui, ça va très bien, ouais. Oui. Et toi Pierre, ça va? Moi ça va très bien. Est-ce que tu as bien dormi dans le centre Jules Chevalier, qui est quand même une institution ici à Issoudun, une hôtellerie un peu genre la Shining quoi? Écoute, en grand fan de Shining, oui, ouais. J'ai adoré dormir dans cet endroit. J'ai eu du mal à m'endormir un peu, ouais. Mais c'était super, ouais. Bien dormi. T'as posté un Instagram bien creepy, hein. T'as bien saisi l'essence du lieu. Carrément, ouais, j'ai trouvé ça cool, le couloir. Je m'attendais à chaque angle de couloir à trouver les deux petites filles, mais non, mais non. T'as personne qui est venu en tricycle, etc. Pas de coup de hache dans la nuit, rien. J'ai crié Dani dans les couloirs, mais personne qui s'est écouté. Ah, c'était toi que j'ai entendu au milieu c'est de la nuit, là, c'est d'accord. Moi, ouais, okay, c'est moi. Bon, dis-moi, la dernière fois qu'on s'était vu, je pense que tu étais venu au showroom, hein, c'est ça? On avait fait une interview guitare à main. Ouais. Quoi de neuf? Quoi de neuf depuis l'album est sorti? Enfin, ouais. L'album est enregistré, est en pressage. Normalement, j'aurai les cartons la semaine prochaine. Donc ça, c'est Music Without Money, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Que j'ai eu le plaisir d'écouter, que j'ai eu bien du plaisir. Et je me rappelle que d'un seul titre, c'est La Reblochonnade, c'est ça? C'est le dernier titre de l'album? Oui, c'est le dernier titre, ouais. C'est une inspiration, le fromage? Non, en fait, le titre est venu parce qu'on a participé au tremplin guitare en scène en Savoie. D'accord. Et du coup, on s'est pris une reblochonnade et du coup, ben voilà, d'accord, c'est venu comme ça, tout bêtement. Ouais. On n'a pas idée, hein, des fois, de où est-ce que les musiciens vont chercher leur inspiration. Il faut bien trouver un titre, en fait. C'est ça, le truc. c'est ça, le truc, en fait. Donc, maintenant que l'album est quasiment sorti, c'est quoi ton... Est-ce que c'est facile de faire le lâcher-prise une fois que l'album est sorti, où on se dit toujours « Ah, mince, j'aurais bien aimé retravailler ça, là. » Non. Non, là, ça a plutôt été, en fait... C'est vrai que moi je suis plutôt pressé de le sortir en fait. Ah oui. Ouais. Après bon ça s'est un peu fait, je vais pas dire dans l'urgence quoi, mais on avait quand même une date butoir donc il fallait y arriver quoi, enfin faire en sorte que ça soit fini à cette période-là. Moi je suis parti en vacances donc en fait j'ai terminé une guitare acoustique la veille de partir tu vois donc et j'ai envoyé ma clé USB avec les mix de vacances donc tu vois fallait vraiment que ce soit